Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous cherchez des idées de préparatifs, de préparation pour le ramadan. Donc, je vous préviens, il n'y aura pas de cuisine, il n'y aura pas de recettes, il n'y aura pas d'idées de décoration. Celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai fait un grand ménage rapide. Préparer quelques plats que j'ai congelés dans l'idée de me dégager du temps pour pouvoir justement profiter de ce mois. Donc, ce que je vous propose ici, c'est plutôt de revenir à l'essentiel. Et j'avais vraiment envie de partager avec vous mes pensées et vous lire cette lettre en fait que j'ai écrite à moi-même, que j'ai écrite durant cette nuit. C'est d'ailleurs pour ça que je suis crevée là. Mais je pense que l'une des meilleures façons de se préparer pour le ramadan, c'est vraiment de faire un bilan. Donc c'est parti, je vais vous lire ça. Ramadan. C'est l'heure du bilan, bilan que je reporte depuis un moment, prétextant ne pas trouver le temps. Tu sais bien ce que c'est que d'être parent. Mais à ton approche, Ramadan, comme beaucoup de croyants, naît un désir ardent de se rapprocher du puissant, de devenir de meilleurs musulmans. Je te prie, ô toi l'indulgent, le bienveillant, de me faire parvenir jusqu'à Ramadan. Alors, j'ai choisi comme moment la nuit, car c'est le seul moment où la maison est sans bruit. Le silence après l'agitation, le meilleur moment pour faire ce travail d'introspection et de rétrospection. Cette nuit, plutôt que de dormir, je me suis plongée dans mon livre, sans filtre, sans masque, lister mes bonnes actions, mais aussi mes péchés, en toute honnêteté, car tu connais tous les secrets. Comme si c'était une cassette, j'ai rembobiné cette dernière année, et je dois l'admettre, je me suis éloignée, égarée. Ma foi a beaucoup vacillé. Ramadan, mois de piété, le meilleur des mois pour nous améliorer, cette nuit c'est avec humilité que j'implore celui qui a tout précédé. Cette nuit je me suis posée dans cette vie au rythme effréné pour prendre le temps de me préparer à mieux accueillir Ramadan, mon invité. Voilà, mon bilan n'est pas très brillant, mais je m'endors en espérant pouvoir vivre Ramadan, faire partie de ceux à qui tu donneras cette chance. Cette nuit, entourée de ta présence, j'ose espérer ta récompense. C'est en toi que je place ma confiance, car tu es le gardien, l'immense. Ramadan, je veux te saisir pour me repentir. Alors oui, j'ai fait le grand ménage et cuisiné quelques plats à l'avance, mais mon unique intention est de me décharger pour mieux profiter de ta présence. Chaque Ramadan, je ne peux m'empêcher de penser aux années où je pouvais prier tout le mois de Tarawih à la mosquée, faire de longues veillées. J'avais peu de responsabilités. Mes Ramadans, depuis que je suis devenue maman, sont tellement différents. Entre grossesse, allaitement, et même lorsque les enfants sont plus grands, ils nous prennent tellement de notre temps. J'ai appris à ne pas me comparer, car nous n'avons pas les mêmes responsabilités. À chacun de définir ses priorités pour ce mois qui va vite filer. Vivre Ramadan dans la lecture du Coran, même si lire une page te prend 100 ans, persévérer même si tu es lent, car sache qu'il est le très clément, le voyant, celui qui entend. N'oublions pas les actions de charité durant ce mois de générosité, éviter les excès et ne pas gaspiller. Au moment de rompre, prendre conscience des bienfaits que nous avons en abondance. En profiter pour pardonner et renforcer les liens de parenté, vivre ce mois dans la piété comme si c'était notre dernier. Voilà, je vous invite à vraiment prendre le temps de faire ce bilan, de faire ce bilan pour savoir sur quoi en fait vous voulez travailler, on va dire, durant le mois de Ramadan. Donc oui, effectivement, il faut lire le Coran, il faut faire des bonnes actions, mais c'est aussi, je pense, un moment pour s'améliorer, pour essayer en fait de reprendre des bonnes habitudes, se fixer des objectifs vraiment par rapport à vous, non pas par rapport à aux autres. Par exemple, vous avez du mal à prier à l'heure, vous dire « bon, je vais essayer de travailler sur cet aspect-là ». Chacun, en fait, a ses propres priorités, chacun a ses propres manquements, chacun a son propre cheminement au final. Et l'essentiel, c'est vraiment d'essayer de faire des efforts, vraiment de faire des efforts et de profiter de ce mois pour nous améliorer, pour nous rapprocher de Dieu, faire un break en fait, profiter de ce mois spirituel, saisir cette chance en fait pour nous ressourcer, pour renouer tout simplement.
Je vous souhaite un excellent mois de Ramadan. Donc ça fait maintenant, je crois, la troisième année que je propose sur Instagram quotidiennement, quasiment quotidiennement en fait, la lecture du Coran. L'objectif, c'est tout simplement de me motiver, de vous motiver à lire durant le mois de Ramadan, à essayer de terminer le Coran si vous le pouvez, comme je le disais dans cette lettre. On est tous différents. Certaines personnes ne savent pas lire l'arabe, certaines personnes sont très à l'aise avec l'arabe. Donc ne vous comparez pas, vraiment essayez de faire à votre niveau. Si vous ne pouvez pas lire en arabe, essayez de lire en français, pourquoi pas en profiter pour commencer à prendre des cours justement d'arabe. Voilà, donc chacun en fait, selon son niveau, essayez de faire de votre mieux au final. Donc ce que je vous propose sur Instagram, je ne suis pas diplômée en tajwid ou autre, c'est vraiment juste de vous motiver, et je vous assure que quand à la fin du Ramadan, je reçois des messages de personnes qui m'ont dit « Hasna, j'étais avec toi pendant tout le mois de Ramadan et tu m'as motivée, etc. Ben, » ça me motive énormément et ça me rend vraiment heureuse en fait d'avoir contribué quelque part à vous motiver. Donc je vous propose cette année, comme les années précédentes, je partagerai avec vous en fait des passages. Ce que je fais en général, c'est que je partage des passages en fait qui m'ont vraiment touchée. Voilà. Alors, si vous voulez terminer la lecture du Coran durant le mois de Ramadan, sachez qu'il y a plein de plans, de programmes que vous pouvez trouver. Le plus simple, c'est de vous dire en fait que vous devez lire une vingtaine de pages par jour. Vous pouvez maintenant vous dire après chaque prière, je lis 5 pages. C'est vraiment, ça dépend de vous. Personnellement, moi j'aime beaucoup lire durant mes transports en commun. J'utilise beaucoup l'application Muslim Pro, je vous en reparlerai de toute façon et je vous en ai déjà parlé plein de fois quand je prends le bus, quand je prends le métro. J'en profite pour faire mes dicks, mes invocations, j'en profite pour lire, pour m'avancer, parce que la réalité c'est que quand je rentre à la maison, voilà, je dois m'occuper des enfants, il y a les devoirs, leur préparer à manger, etc. Et tout ça, ça prend du temps. Donc du coup, ce que je fais, c'est que vraiment j'essaie de profiter un maximum du moment, en tout cas des temps où je suis seule, où les enfants ne sont pas là, pour faire cette part de travail. Et je vous invite aussi, si vos enfants sont plus grands, d'en profiter en fait pour lire avec eux le Coran, pour lire avec eux des livres sur la religion, etc. Je vous souhaite encore un excellent mois de Ramadan et on se retrouve sur Instagram, with Hasnabi, le lien il est en barre d'informations, pour nous motiver et pour, Inch'Allah, tirer profit en fait de ce mois. Salam alaikum.